Je vais doucement, tu connais, je te le dis à l'avance. Sous effet de surprise, c'est décuplé. Il est là, en fait, est-ce que tu permets? Tu t'es rasé aujourd'hui ou pas? Là, venez voir son beau mollet, venez voir. Le mollet, ça c'est du jambon. Je plaisante. Le mollet est ici, à la base du mollet ici. Excuse-moi, tu connais la force. Hein, ça, déjà testez doucement. Ne tapez pas comme un bourrin, surtout si vous êtes à côté. Mais si vous faites, vous débutez, vous faites. Tu sens? Non, t'étais à côté. Ah ben c'est pas grave, t'as pris un shoot quand même. C'est pas bon. Par contre, il faut pas non plus faire. Ça va? T'es sûr? Hein, ça va? Ça va, la jambe elle va rester là, elle va pas. Le cul chaud, on parle de point de pression, hein, c'est ça le cul chaud. Il y en a qui comprennent pas ce que c'est le cul chaud. On attaque les points de pression, enfin les nerfs contre l'os et compagnie. En résumant, basiquement. Hein. C'est soit on fait trop mal, soit on fait pas assez mal. Mais doser pile, c'est ça qui fait la maîtrise du kyosho, c'est ça qui est dur. Bref, normalement ça devrait à peu près marcher. Voilà, c'est ça. Donc dans l'idée, c'est ça. Après, je masse parce que je veux pas lui faire mal. Je veux pas que demain il lui pousse un troisième talon ici. Un troisième, pourquoi un troisième? Un deuxième, c'est déjà pas mal. Ah, j'ai compté celui-là. Donc ça, c'est pour comprendre où c'est, d'accord? Donc en gros, c'est ici. Ça, excuse-moi encore une fois, regarde là-bas, c'est joli. Voilà. Hop, ici. D'accord? Je suis pas fou. Il sent à moitié les points de pression, c'est pour ça que je suis obligé de lui mettre un peu la gomme. Je connais un peu. Hein. Vous faites ça, normalement, la personne, elle chante, elle tombe. Hein. Ça dépend, sous effet de surprise. Bon, bref, ça, vous savez à peu près où il est. Il est là. Et bien maintenant, assieds-toi, détends-toi. Ça peut se faire soit comme ça. Tu dis stop, tu sens un truc. Voilà. Pardon. Normal, je viens de passer dessus. Soit ça. Ça peut se faire aussi comme ça. Pourquoi vous ne le faites pas comme ça si vous devez faire une clé? Parce que vous êtes à l'intérieur. Faites avec l'agresseur dedans et faites avec l'agresseur dehors. Débrouillez-vous. Après, on enchaîne. Merci. Bon mollet, soit dit en passant. Jean-Pierre, par exemple, c'est une autre catégorie d'élèves, déjà plus chevelu. Par contre, lui, c'est Fred aussi, hein, mais lui, il sent pas du tout les points de pression. C'est pas top. Donc, je cherche même pas à le taper plus fort, c'est se blesser pour rien. D'accord? Il y aura quand même une réaction, hein, c'est pas parce qu'il sent pas que. Ce que je veux, c'est la réaction. Je t'amène au sol. Ok? Fred, tiens. Pour une fois, tu es la victime. Ça te change. C'est un exemple, hein. Vous avez ce point de pression. Non, non, debout, debout. Pourquoi pas, je m'en fous, pourquoi pas. Remets-toi par terre, pourquoi pas. C'est le thème du stage. Jean-Pierre, t'es en train de l'emmerder. Doucement, tu l'insultes, t'as pas de cheveux et compagnie. Ah, tu m'as arnaqué sur la coupe. Voilà, bouge pas. Reviens, mais bouge pas. Ok, regardez, c'est un exemple. La personne est en train d'embrouiller quelqu'un, il s'attend pas à ce que je lui fasse ça. Il s'y attend pas. Donc ce que je veux, c'est la réaction. S'il y a douleur, tant mieux, c'est un gros bonus. Ce que je veux, c'est ça.